Bah ça va là. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien malgré la période un peu bizarre qu'on est en train de vivre. J'espère que pour vous les gars, tout est nickel. Aujourd'hui, quel est le thème de la vidéo? Le thème de la vidéo, les enfants, il est là. Il est là, il s'agit de la Spin Rainbow. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinion, so don't waste my time then. Killing the game and I gotta go ask anybody, they all heard about it, they know when they're kidding, they spitting it. Alors on a déjà testé la spin bleue, la spin verte, la spin camo, les gars, je vous remets quelques images. Et donc aujourd'hui, on va pas forcément faire un test ultra poussé de tous les détails du ballon. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous faire, c'est de vous faire une petite vidéo visuellement qualitative, que vous kiffiez le freestyle. Et par contre, j'aimerais bien juste dire un petit mot justement par rapport au ballon. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce que des fois, t'as carrément des endroits où c'est arraché. Ça peut arriver, mais je trouve quand même ça dommage. Parce que c'est vrai qu'esthétiquement, je pense que c'est ma préférée. Mais malheureusement, elle a 2-3 défauts. Je veux dire, t'as le haut qui est quand même vraiment arraché. C'est quand même vraiment un trou là, pour le coup. Là, t'as un trou aussi. En fait, je reçois le ballon déjà un peu abîmé. Alors Spin, c'est une très très bonne marque au niveau de la qualité du ballon. Ils sont aussi très proches de leur communauté, notamment sur Instagram. Franchement, j'ai aucun problème avec Spin. C'est juste dommage de recevoir la balle avec un cran. Mais bon, ça arrive. Après, ça ne change en rien la qualité du ballon. Voilà, c'est juste pour le design en fait, c'est un peu dommage. On va commencer tout de suite le freestyle, j'espère que vous allez kiffer, c'est parti, venez avec moi. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Killing the game and I gotta go ask anybody, they all heard about it. They know when they're kidding, he's spitting it, know when he getting it. Bit and I get in my way, got this, I like do whatever I say. Cause I could go put you on blast, people been mad at me cause I don't follow them back. I'm laughing cause that is so whack, why they all trying to act like they've been bossing when really their boss has been bossing them up. Nobody ever been telling me what I would do when I keep in the cash, ride the shit out of luck. I want them more, now I get what I wish, upgrading out with some pants that I whip. Making six figures, don't talk about it, money and shit, it's about how you think. Tired of people who making excuses, then they complain about losing. Tell me about what you've been doing, tell me about how you've been moving. You ain't got nothing to prove then. I did it all on my own, they looking like all of my clones. I don't be following trends, fuck all the popular clothes. You faking and everyone knows, I just be keeping it real. They thinking that I have to go sign a deal, but really the people just found an appeal. I'm in my own lane and I'm steering the wheel, ayy. Donc les gars, le petit débrief de cette spin, franchement, elle est vraiment stylée, blanc, arc-en-ciel, j'adore. Le blanc, effectivement, un peu salissant comme d'hab, mais vous voyez, je viens de la nettoyer, je suis sûr que vous voyez même pas la différence. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Au niveau de la qualité, donc on est sur une très bonne spin. Malgré tout, moi j'ai galéré. J'ai galéré pourquoi? Parce que moi je suis sur la spin camo. La spin camo qui a des crans en fait. Là on est sur une spin lisse. La spin camo en fait elle est crantée. C'est beaucoup mieux pour le freestyle. Celle-là c'est une très bonne balle. Attention, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise balle. Je dirais quand même que la camo elle est beaucoup mieux, beaucoup plus polyvalente. Et franchement elle est efficace pour tout type de freestyle. Je suis habitué à la camo donc il a fallu que je me réadapte à celle-ci. C'est normal. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura fait kiffer hein. Je voulais juste vous faire une petite vidéo freestyle que vous kiffiez sans prise de tête. Les amis, désolé, je suis actuellement sur le montage de la vidéo et en fait c'est un tout petit message de fin de vidéo que je vous fais parce que je viens de me rendre compte que je l'ai pas fait finalement. Donc voilà, j'espère, comme je l'ai déjà dit,
que vous aurez kiffé cette vidéo. Dernière petite chose par rapport au coronavirus, je sais qu'on parle que de ça en ce moment, je vais pas m'étaler là-dessus. Si on rentre dans une période un peu compliquée avec le confinement, tout ça, je sais pas trop comment je vais faire pour vous produire le plus de contenu possible. J'essaierai de faire le maximum pour vous produire de la qualité, toujours de la qualité. Et puis voilà, je vous quitte ici, donc j'espère qu'on va se retrouver le plus vite possible pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir suivi celle-ci et à la prochaine.